Le groupe Banky Troc apporte une nouvelle innovation dans le e-commerce en Guinée. Dans le cadre de son programme Build Africa, cette société panafricaine a officiellement présenté ce mercredi 14 septembre 2022 les cartes Banky Troc à Conakry. Ces cartes sont une initiative sociale visant à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes en Guinée à travers le secteur de la construction. Les cartes Banky Troc sont gratuites et elles sont disponibles dans quelques points installés dans la capitale guinéenne, notamment au siège social situé à Kipé, aux agences de Lambani et de Madina et au port autonome de Conakry. Ce projet qu'on appelle Entreprendre avec la carte Banky Troc est une initiative sociale qui permet de créer de l'emploi pour lutter contre le chômage, la migration irrégulière et le banditisme. Aujourd'hui, à travers cette carte, les jeunes peuvent entreprendre, peuvent mener des actions commerciales pour Banky Troc et se faire rémunérer en fonction des objectifs atteints. Aujourd'hui, avant tout d'abord pour bénéficier de cette carte, le jeune doit aller vers les différents points de Banky Troc dont vous avez équipé Lambagny, Madina, la ville au rond-point du port. Quand vous avez la carte, tout ce que le jeune fera, c'est d'aller vers les différents sentiers, les proposer les différents produits de Banky Troc qui sont sur la carte. Dès que le sentier commande ses produits à travers la carte, la personne est automatiquement rémunérée en fonction des gains définis sur la carte. Donc on a de différents gains. Vous avez des gains qui varient de 50 000 à plus de 8 millions. Et aussi, quand la personne cumule plusieurs cartes, aura la possibilité de bénéficier des voyages, de bénéficier de smartphones, d'ordinateurs, de voitures. Et aussi, nous avons mis en place un programme de formation sur l'entrepreneuriat pour le renforcement de capacité de ces jeunes-là qui vont entreprendre à travers cette carte des formations sur l'entrepreneuriat, des formations sur l'éducation financière pour les permettre de bien gérer les gains obtenus à travers ces cartes Banky Troc. Visiblement très séduite par le volet social de cette initiative du groupe Banky Troc, l'animatrice de télé et ambassadrice du projet Banky Troc, Aya Diawara, est revenue sur les raisons qui l'ont poussée à associer son image à ce projet. Elle a aussi invité les jeunes à saisir cette opportunité. Le mot social est là. C'est vrai qu'au niveau, on peut se dire c'est pour gagner de l'argent. Peut-être elle met son image parce que... Mais franchement, vous allez comprendre. Le fait d'écouter ça, moi, ça m'a plu. J'ai couru, j'ai dit, je suis prête à communiquer sur cette carte parce que je sais que ça permettra à beaucoup de jeunes. Pourquoi les Léonais le font, les Maliens font la même chose, pourquoi pas nous? J'ai dit donc, ça va permettre à beaucoup de jeunes de comprendre qu'on peut se faire de l'argent avec Internet, qu'on arrête d'utiliser les 1000 francs, les passes pour juste s'amuser, ou s'insulter, ou raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça vous crée un petit emploi que vous-même, vous négligez au départ, et après ça devient quelque chose de grand pour vous. Donc franchement, j'étais très convaincue, et je suis la première d'ailleurs porteuse de ce projet, parce que je force même la main. Je suis toujours en retard, mais aujourd'hui j'étais à l'heure. Parce que c'est très important de passer ce message. Présent à cette cérémonie, Sidiki Diallo, un jeune qui était au chômage il y a 4 mois, a laissé entendre que les cartes Banky Troc ont changé sa vie. En fait, jusqu'à maintenant, moi, j'en ai tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Parce que premièrement, cette carte-là, elle vous permet d'avoir beaucoup de commissions. À fur et à mesure, vous faites des commandes, et la commande, elle est automatiquement enregistrée à votre identifiant. Et dès que c'est fait, au fil du temps, là déjà, vous êtes assis, vous voyez, c'est-à-dire que le versement des commissions dans votre compte. Ou si vous voulez, vous pouvez attendre jusqu'à la fin du mois, on vous donne le tout. À noter que la société Banky Troc, avec son réseau e-commerce, couvre des pays comme la Guinée, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et elle ambitionne de s'étendre sur le reste de l'Afrique et du monde.